Je suis sur une autoroute de Bretagne et je passe devant un panneau où il y a écrit Saint-Jean-Cardaniel. C'est quelqu'un à qui je commence à raconter l'histoire de mon grand-père qui a été excommunié avec sa mère de ce village. Et d'un seul coup, je me mets à pleurer. Et je me dis, mais pourquoi je me mets à pleurer alors que cette histoire, je l'ai entendue mille fois, on s'en marrait, on rigolait dessus. C'est l'histoire d'une excommunication, donc l'histoire d'un bannissement. Et au même moment, mon père, qui a été exclu du Parti communiste en 1966, est réhabilité par Marie-Georges Buffet. Il a Alzheimer. Et donc au moment où il perd la mémoire, on la lui rend. Et je commence à regarder autour de moi et je ne vois que ça. Il y a l'excommunié, l'exclu, et puis après, il y a tous les autres, l'exterminé, l'exécuté. Et toutes ces histoires, l'exfiltré, l'exilé, l'exploité, etc. Et toutes ces histoires racontent la même histoire d'un bannissement. Et je me dis, bah, après tout, c'est normal que j'ai peur. Voilà pourquoi je me pose toujours la question de savoir s'il y a une place pour nous sur cette terre. C'est que je suis un banni, on est tous un banni. Et c'est une sorte de sortilège. Et ma question, à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce sortilège ? On a plein de raisons d'écrire. Il y a des gens qui écrivent parce qu'ils s'emmerdent, il y a des gens qui écrivent de façon cathartique pour régler des comptes avec le passé. Je ne suis pas en train de régler des comptes avec le passé. Je suis en train de raconter une histoire qui est la mienne, qui est aussi l'histoire des autres, parce que je me rends compte en rencontrant les gens maintenant que le livre est publié, que ça raconte l'histoire de beaucoup de gens, que beaucoup de gens s'y retrouvent. Mais au-delà de ça, oui, effectivement, j'avais écrit plein d'histoires, de livres que je n'avais pas publiés parce que je ne les trouvais jamais assez honnêtes. Assez honnête avec moi-même. Et j'ai compris à un moment donné, prenant conscience de cette histoire, que je ne pourrais pas écrire tant que je n'avais pas écrit cette histoire-là. C'est l'histoire où je me mets à nu. Alors ce qui est très marrant dans l'histoire, c'est que, je m'en rends compte après l'avoir écrit, c'est que c'est que des histoires réelles. Avec les vrais noms, je ne camoufle pas. Je les raconte comme une fiction, mais c'est que des histoires réelles. Sauf la dernière scène. La dernière scène, c'est une scène que j'ai inventée. Et fondamentalement, je pense que c'est la scène où je suis le plus à nu, le plus vrai. C'est-à-dire, on peut passer de la réalité à la fiction et passer en même temps de quelque chose qui était les apparences à quelque chose qui est profondément en nous. Je ne voulais pas raconter une famille, ce n'est pas un mémorial au sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir une vision qui serait ma vision à moi de comment ça s'est passé dans cette famille, comme si je savais ce qui se passait. J'ai voulu épouser des regards à chaque fois différents. Donc ces 12 récits, englobés dans mon récit, mais 12 récits où à chaque fois, comme je travaille en empathie, je me mets à la place des personnages. Et donc à un moment donné, je suis mon grand-père, à un moment donné, je suis ma mère, à un moment donné, c'est un il, se leva ce matin-là, il but son bol de café au lait, mais ce il, je suis dedans. Et donc le regard change en fonction du personnage. Quand je suis ma mère, je vous dis que c'est pas facile d'être sa mère au moment d'accoucher, de se mettre dans le personnage de sa mère qui va accoucher, en plus qui va accoucher d'un enfant mort, c'est pas forcément facile. Et dans ce chapitre-là, mon grand-père, par exemple, peut avoir l'air assez monstrueux. Mais quand je suis mon grand-père, on comprend que c'est un enfant qui souffre. Toute l'histoire est bâtie là-dessus. Et après, donc, je ne crois pas qu'il y ait de vision linéaire de l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait de vision linéaire d'une histoire de famille. Je pense que l'histoire d'une famille se raconte avec plein de regards. Après, les gens de ma famille vous diront peut-être qu'ils ne l'ont même pas vu comme je pense qu'ils l'ont vu. C'est intéressant. Mais ce n'était pas un livre de règlement de compte. C'était un livre d'amour. C'était un livre de... Et je me suis rendu compte très récemment qu'au fond, c'était peut-être aussi... Le livre d'un enfant de parents divorcés quand j'ai 8 ans, qui au fond cherche la réconciliation familiale, la recomposition d'une famille. J'ai deux gros plaisirs de lecture ces derniers temps. Le premier s'appelle Confiteor de Jérôme Niabré. Pour moi, c'est un roman extraordinaire. Il me bluffe c'est un expert, c'est un orfèvre. Et au milieu d'une phrase, on change complètement d'histoire, de sujet, mais au milieu de la phrase, on se relit en disant « mais là, j'ai raté un truc ». Et alors tout ça pourrait être juste un peu technique, mais en fait, je raconte pas à la fin, mais en fait,
cette technique-là a un sens. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas ça juste pour nous faire changer d'époque, je sais pas quoi. Non, il utilise ça parce que ça raconte quelque chose. Un peu comme Robert Bloch, le fan de Lovecraft qui écrivait par exemple Psychose, etc., où il nous trompe toujours avec le narrateur. Et là, je trouve que c'est magique. En plus, c'est une histoire qui me touche par rapport à mon père, etc. Donc voilà, ça c'est le premier. L'autre livre est un polar qui s'appelle L'Or de Quipapa, d'Hubert Tesnas du Moncel, qui se passe au Brésil et qui raconte une autre histoire de Banni que les miens et qui me touche beaucoup sur les champs de canne à sucre et tout ça. Mais il faut que vous le lisiez.